Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Bayern de Munich, Olympique de Marseille, défaite 1-0 de l'OM. Mais c'est pas grave, on va débriefer ensemble ce match. Allez, c'est parti, je vais te mettre les compos qui sont juste là, que ce soit pour Marseille ou pour le Bayern. Voilà, je pense que tu as vu la compo pour les deux équipes. Maintenant, on va passer au vif du sujet, tu vois. Alors, franchement, j'ai vu un Olympique de Marseille qui n'a pas été ridicule, bien au contraire, qui n'a pas hésité à entrer dans l'arc quand il fallait, qui n'a pas hésité à défendre. Franchement, ce qui m'a plus... Même si on savait que le Bayern Munich était largement supérieur à l'Olympique de Marseille, ce qui m'a plu, c'est l'engagement, c'est l'envie de jouer, c'est l'envie de défendre, c'est la solidarité. Franchement, exceptionnel ce match. Très belle performance. Tout le monde disait qu'on allait se faire éclater, qu'on soit parisien, marseillais, lyonnais. Tout le monde disait que l'OM allait se faire éclater. Même moi, le premier, j'avais pronostiqué 3-0 lors de l'avant-match il y a quelques heures maintenant. Franchement, je suis mais agréablement surpris de l'attitude de l'OM et du résultat. Franchement, que du positif sur ce match, je n'ai rien à dire. Franchement, c'était bien. C'était très bien. Franchement, c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir lors des grands matchs en Ligue des Champions. C'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. C'était le match test. Certes, l'OM n'a pas gagné, mais a tout de même rempli son contrat. C'est ce qu'il faut se dire, les amis. Franchement, bravo à eux. Les 20 premières minutes, l'OM est parvenu à tenir tête au Bayern de Munich, mais malheureusement, il a suffi d'un dribble de Serge Gnabry sur Alvaro qui a scotché Alvaro à ma vie, but de Serge Gnabry qui a scotché la défense marseillaise avec ses dribbles et ses feintes de frappe. Magnifique but de Serge Gnabry au passage. Après le but. Le Bayern a déroulé, que ça en intensité, en possession, ils nous ont déroulé. Et pourtant, excusez-moi, ça a coupé. Le Bayern a déroulé après le but de Serge Gnabry. C'était là, pardon. Hacker, on en parlera plus tard, mais bon, c'est pas grave. Je vous en suis. Donc, je disais, le Bayern de Munich a déroulé. Ah, parce que ça s'est coupé. Bon, sinon, durant la deuxième jusqu'à la 80e, pareil, domination du Bayern de Munich. Ils ont fait tous leurs changements en seconde mi-temps, quasiment. Franchement, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Franchement, il n'y a que Lewandowski qui est resté jusqu'à la première heure, quasiment la première heure de jeu. Et pareil, pour l'OM, ils ont fait des changements. Ils ont fait pas mal de. Ils ont fait trois changements, mais. Alors, première. Avant la première, enfin le premier début de seconde période, il y a eu quatre changements uniquement. Si je dis pas de bêtises, il y a eu Strootman qui a joué. Ensuite, il y a eu Germain et Radonjić qui sont rentrés. Et je crois que c'est tout. Ah oui, il y avait aussi. En défense, il me semble qu'il y avait Perrin également. Et Sakai qui est rentré à la place de Sarr. Voilà, c'est les seuls changements qu'il y a eu avant la reprise. Et à la 62e, tout le monde est parti.
Il n'y a que Ake et Raoui qui ont fait leur rentrée à la 80e. D'ailleurs, très belle rentrée de Ake. Très belle rentrée, très honnêtement, très belle rentrée. Franchement, il a débordé toute la défense à lui tout seul. Malheureusement, il a tenté un lob qui a échoué. Logique. En même temps, Ulreich, le gardien remplaçant de Neuer, c'est un très bon gardien. Même si Neuer est légèrement au-dessus, on va pas se mentir. Bref, l'OM perd, mais la tête haute, on va dire. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire pour le débrief. Défaite, mais l'OM retient la tête haute. C'était tout pour ce débrief. On se retrouve tout à l'heure pour le match face au PSG. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Antox. À tout à l'heure pour ceux qui voudront regarder mon débrief de la finale de la Coupe de la Ligue PSG-OL. Sinon, pour les autres, ciao tout le monde. Allez l'OM et à bientôt pour une prochaine vidéo.